Monsieur le maire, mes chers collègues, alors nous n'avons pas sur ce projet exactement la même vision et on en reparlera en cinquième commission parce que le quartier de la Porte-Branchon conjugue plusieurs mots urbains. C'est un espace très routier doté d'espaces publics dégradés et de services et de part et d'autre de la Porte, des quartiers résidentiels pâtissent d'un manque d'attractivité causé par des espaces discontinus et peu qualitatifs. Le programme Inventons donc la métropole du Grand Paris a identifié ce lieu comme une opportunité de requalification et un appel à projet a été lancé en 2016. Ce projet s'inscrit donc dans ce programme Inventons la métropole du Grand Paris et ambitionne de recréer un lien entre ces quartiers de Vanves et du 15e en offrant une continuité urbaine à leurs habitantes et habitants et un lieu de vie sur la Porte Branchon. Sur la dalle Branchon Est, un premier projet d'équipement sportif avait été désigné dès 2017 avant d'être abandonné et la présente délibération propose de soutenir la RIVP. Donc c'est une délibération qui vise à voter une subvention dans la réalisation d'un nouveau projet de bâtiment sur cette dalle préexistante par une subvention donc de 2 150 000 euros. Et la subvention concerne la programmation pour soutenir justement une activité à impact avec, comme il a été dit, un lieu socle avec vocation sportive et culturelle et dans les étages de la formation. Et il ne s'agit pas d'un immeuble pont au stricto sensu, il s'agit d'un bâtiment sur une dalle qui préexiste. La RIVP a tenu compte de nombreuses contraintes techniques et environnementales. En raison de la localisation du projet le long du vaisseau ferroviaire de la gare Montparnasse, les circulations verticales du bâtiment se situeront à l'est du bâtiment, créant un filtre acoustique. Du fait de la proximité avec le périphérique, la RIVP s'est engagée à respecter un lourd cahier des charges relatif à la qualité de l'air et proposera des systèmes performants de VMC double flux, de filtration. La RIVP s'est également engagée sur un chantier à faible nuisance et une construction bas carbone. Il s'agit ici de rendre vie au quartier de la Porte-Branchon en le reconnectant à Vanves et en requalifiant cette dalle qui n'est en réalité aujourd'hui qu'un no man's land. Les habitantes et habitants du 15e, mais aussi de Vanves, attendent ce projet depuis longtemps. Nous aussi, on veut faire évoluer le périphérique et on pense aussi qu'en créant des continuités urbaines, ce sera propice et en créant de l'activité vertueuse sur ce site, ce sera propice. Il et elle, les habitantes et habitants du 15e, ont besoin de ces services, de ce renouveau sur la Porte-Branchon sans attendre. Soyons donc à la hauteur de leur attente et nous voterons donc cette délibération. Merci beaucoup.